À la fois dandy et Pierrot Lunaire, Jérôme Attal avance tel un funambule entre tendresse, humour et sensibilité. Depuis son premier livre, L'amour en lambeaux, en 2007, il a su fidéliser son lectorat et prouver un réel sens de l'écriture. Romancier, il a aussi imposé son nom dans le monde de la musique en écrivant pour de nombreux artistes tels Florent Pagny, Jennifer ou encore Johnny Hallyday. Si l'exercice est différent, certes, Jérôme Attal voit tout de même de nombreux points communs entre ces deux activités et surtout une même finalité, jouer avec les mots pour transmettre des émotions. Les sujets et les personnages de ses romans sont très diversifiés. On y décèle toutefois des fils rouges, comme l'attachement aux souvenirs d'enfance, la fragilité du lien amoureux et puis la langue belle et présente avec un vrai travail sur le choix des mots et la construction des phrases. Les Jonquilles de Green Park, 37 étoiles filantes, les plus récents titres de Jérôme Attal ont séduit les libraires, mais aussi les lecteurs. Et nul doute que ce nouveau livre trouvera aussi son public. Nous voici à Londres en 1793, où le jeune Chateaubriand a fui la Révolution française. Sans un sou en poche, il dort une nuit dans l'abbaye de Westminster. Le baiser d'une jeune fille, la sonneuse de cloches, le tirera de son rêve. Mais ce baiser a-t-il réellement existé ou finalement n'est-il qu'une affabulation que Chateaubriand, devenu l'auteur que l'on sait, racontera dans ses mémoires d'outre-tombe? 220 ans plus tard, Joachim, un jeune Français, en mémoire de son père, part à Londres à son tour, lui aussi sur les traces de la fameuse petite sonneuse de cloche. Dans une déclaration d'amour à la capitale britannique, du Londres de la fin du XVIIIe siècle à celui d'aujourd'hui, Jérôme Attal n'a pas son pareil pour nous inviter à larguer les amarres. Avec son écriture tout en finesse et en élégance, il nous embarque dans cette drôle d'aventure sur les traces de Chateaubriand avec deux histoires d'amour en parallèle. Et tel un enquêteur, nous voilà dans une chasse au trésor fiévreuse et romantique dans les rues et les bibliothèques londoniennes où l'amour peut se cacher derrière chaque porte. Voilà un joli roman plein de fraîcheur, mais au-delà de cette intrigue amoureuse, Jérôme Attal aborde aussi d'autres thèmes essentiels, comme la filiation, la transmission et l'importance du lien charnel qui nous unit au livre. Il écrit d'ailleurs « Il s'agit d'un roman sur mon amour des livres ». Vous aussi, partez à la rencontre de la petite sonneuse de cloche, c'est le nouveau roman de Jérôme Attal, le livre est publié aux éditions Robert Laffont.